Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter le petit carnet une fois terminé et puis quelques autres que j'ai réalisés sur le même principe. Alors celui-là, celui dont je vous ai fait le tutoriel, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai uniquement rajouté les petits coins métalliques ici. Je trouve que ça fait quand même une plus jolie finition sur le carnet de notes. Et puis derrière, j'ai rajouté un petit bras avec un petit fermoir. Alors je vais vous le détailler. Ce petit brad. Donc là ici un petit décor de chez Action que j'ai monté sur une chaîne avec un petit fermoir comme pour les bracelets. Bah, comme ça on peut l'enlever quand on souhaite, si jamais il nous gêne quand on écrit, puis on peut aussi le changer si jamais il nous plaît plus. Voilà. Donc l'intérieur, je vous le remonte rapidement, il est toujours pareil. Donc, là il y a une petite poche avec tous les petits tags. Il y a les 5 signatures avec le papier nose relié à la couverture. Donc vous voyez ici par contre j'ai essayé de couper les fils pour pas que ça gêne à l'intérieur, parce que les boucles c'était pas si joli que ça. Et puis l'arrière toujours avec la petite poche et les petits tags aussi. Voilà. Et sur l'arrière je mets jamais rien pour qu'on puisse pouvoir le poser quand on écrit plus facilement. Voilà. Donc bah, je passe au suivant. Donc le suivant est un carnet lui noir et or. Donc je vous ai dit dans mon tutoriel que quand vous attachez vos signatures, c'est-à-dire les petits carnets qui sont à l'intérieur, à la couverture, si vous souhaitez vous pouvez mettre des breloques ou des perles. Et donc moi là ici j'ai décidé de mettre quelques perles de rocaille sur mon fil à broder avant d'attacher mes signatures. Et je trouve que ça fait un rendu relativement joli. Voilà. Après, en ce qui concerne la fermeture, j'ai utilisé uniquement un ruban sur lequel je suis venue coller deux aimants à la super glue, un aimant de l'autre côté, voilà, et un petit nœud. Alors pourquoi deux aimants? Pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de souplesse, d'ampleur, si jamais on remplit le carnet avec pas mal de choses. Maintenant, je vais vous présenter l'intérieur. Donc ici, l'intérieur, il est recouvert du washi en feuille de chez Action, du papier... de chez Action. Ensuite, avec les chutes du papier or que j'ai ici et les chutes du washi, j'ai fait un petit une petite pochette pour pouvoir glisser des documents. Ensuite, il y a 3 signatures. Donc celle-ci c'est fait avec du papier qui vient de la couverture est fait avec du papier qui vient de chez Lidl. Là, il y a les 3 signatures. Là, c'est du canson noir et là une dernière signature. Et sur l'arrière, pareil, avec les chutes de papier et les chutes de washi, j'ai refait un petit passant pour pouvoir glisser des documents. Et là, j'espère que vous les aurez reconnus pour ceux qui vont régulièrement chez Action. Ce sont les gros paperclips de chez Action. Voilà. Donc, je replacerai l'autre après. Et quelque chose que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure sur la fermeture, c'est qu'elle n'est pas collée au carnet, pas du tout. Donc on peut la changer si jamais on le souhaite. Voilà. Et sur la lancée, j'ai continué et j'en ai fait un autre gris, un tout petit peu plus petit que les autres, qui est lui juste simplement fermé avec un élastique pour les cheveux. Là, j'ai remis de nouveau les coins métalliques. Par contre, l'intérieur ne ressemble absolument pas aux autres, il se présente comme ceci. Donc l'intérieur est constitué de 2 pochettes de ce côté-là et 2 pochettes de ce côté-là. Donc à l'intérieur des pochettes, il y a des petits livrets. Alors pourquoi j'ai décidé de le présenter comme celui-là, cet album, c'est que les petits livrets qui sont là sont faits avec les chutes de papier de cet album. Ensuite, ici, là, vous reconnaissez le papier qui vient de ce bloc de chez Action, le papier perforé. Voilà, je l'ai plié pour en faire une petite poche. Ensuite, ici, ce papier gris, c'est le papier qui vient des blocs A5 de papier irisé de chez Action. Et tous les papiers roses qui soient embossé avec du glitter ou juste avec du foil argenté viennent d'un lot que j'avais trouvé chez Nose. Donc voilà, ce petit carnet gris. Donc j'espère que tous ces petits carnets vous auront plu et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.